bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur The Last Spell. On reprend notre petite aventure après avoir un petit peu fait de Dead Island. J'avais envie de voir si on pouvait terminer enfin Glenwald et faire la peau aux dryades. On va donc reprendre l'aventure. Alors, on était à l'aube de la nuit 8. On va voir nos premiers kamikazes, si je ne m'abuse, qui arrivaient. J'ai refait un petit point sur les persos parce que ça fait un moment que j'avais pas joué. J'ai dû interrompre en fait les tournages parce qu'il y avait un bug à cause de la compétence de protection des arrières en fait. Et c'était pour ça que notre partie précédente avait sauté, avait été corrompue. En fait, ils se sont rendus compte que quand on prenait cette compétence, si on est avec le dernier patch, si on essayait de charger une partie, ça corrompait la partie. Du coup, bah, vu que je l'avais pris sur un perso, j'ai évité de recharger la partie. Et ensuite, Dead Island est sorti, du coup, bah, on est parti un peu dessus. Et le patch est désormais, enfin le bug est désormais corrigé, le patch qu'il corrige est sorti, donc on va pouvoir reprendre. On avait deux assauts à trois crânes de chaque côté, avec un gros ici, donc ici j'ai mis Bat Syndicaliste et ses spawns de poison pour essayer de gérer. Ici on va essayer de voir si Claire peut gérer ça toute seule, même si ça risque d'être compliqué. Là on a Xebus également qui va tenir, c'est notre front un peu plus faible ici, on a nos piou-piou on va dire. Et ici on a les gens un petit peu plus costauds. Oh non, tu restes là toi, viens là, voilà, allez c'est parti. On va voir ce que ça donne. Ok, il y a déjà un bon nombre de petits coureurs là qui viennent faire leur malin. Essayer de contourner. Bon, il y a quand même du gros tas. On va pouvoir envoyer direct dedans. Alors là, il y a un kamikaze. Ça pourrait valoir le coup de garder le parchemin d'assassinat pour lui. Lui, il va se faire allumer, je pense. Pas de souci. Kenton. Oh, t'es sérieux ? Alors, tu peux mettre une rafale de coups sur lui, le problème c'est que tu vas te prendre l'explosion. De toute façon, tu vas te prendre l'explosion. A la rigueur, c'est pas hyper grave. Est-ce qu'il fait moins mal quand il explose? Quand il attaque. Quand il meurt, 229 de dégâts magiques. Ou 305, ok, donc il vaut mieux le tuer si possible, mais on n'a pas ce qu'il faut. Peut-être le stun, il résiste bien au stun, 50%. On va tenter. Non, on va blinder l'armure plutôt. Et esquive pour résister, tant pis. On va garder un petit point d'action pour le prochain tour. Ici. On va essayer de diminuer lui avec les points qui nous restent. Voilà, par contre, qui vient aussi loin. Oh mais toi t'as pas pris le poison, je t'ai raté. Ah j'avais pas vu ça. C'est pas grave. On va déjà avancer un petit peu. C'est vrai qu'il a une portée assez faible lui. Notre petit ami Riggs. Mais il a le rechargement des pièges. C'est pour ça que je l'ai mis là, parce que c'est là qu'il y a le plus de pièges en tas. Avec ton pistolet, est-ce que je t'envoie par ici ou est-ce que je t'envoie par là? Ce serait bien quand même qu'on utilise encore au moins un point d'action. Qui va l'atteindre, mais on a quand même de quoi tanker un petit chouille. Bon, sur ce flanc, c'est pas mal. Ici, du coup, il y a un petit peu de tout. Là, il y a une grosse saloperie. On va essayer de se la faire direct, parfait. Alors là par contre ce qui m'embête c'est qu'ils sont pas en tas, limite ils sont un peu plus en tas là.
Et on n'a pas, non, on n'a pas le truc qui fait des tirs, qui fait que la, je vais arriver, la propagation se balade en diagonale, donc on n'est pas idéalement placé là. Ouais, si je viens jusqu'ici, est-ce que je peux les voir les autres là-bas? Non. Et si je vais là? Non. Ok, donc du coup, on va essayer d'allumer un petit peu ce qui est ici. Hop. Voilà, on fait un petit peu de dégâts. Alors, toi par contre, mets un coup là. Voilà, c'est propre ça. Elle a déjà plus de mouvement par contre. Ça, c'est la tristesse. Ouais. Au moins, on a tué les coureurs. Par contre, on est un petit peu dans le tas, mais on a quand même une bonne armure. Hein. Il y en a deux au max qui peuvent nous atteindre, donc on va tanker. On va prendre le petit boost. Et on va voir. Celui qui me fait le plus peur, c'est Riggs. Mais on n'a pas de moyen de s'éloigner. Hein. Dans le tir grappin, c'est que sur les ennemis. Je pourrais prendre l'armure. Qui c'est qui va m'atteindre, c'est ça? Il tape à combien? 42-52? Ouais, on va quand même prendre l'armure. Il reste des points d'action, c'est normal. Là, ça va péter. Parfait. Là, ça, il a un petit peu passé notre armure, mais ça va. Alors par contre là on a deux kamikazes et ça c'est vraiment pas bon. Si je vais jusqu'ici, est-ce que je les vois? Non. Si je vais jusqu'ici... Non, ah bordel. Claire elle va peut-être avoir un petit peu de mal à gérer ça toute seule. Hein. Alors on pourra aller là. Mettre un coup de stun. Petite hache boomerang des familles. Les kamikazes sont vraiment très costauds. Et on les a pas stun. Hein. On va retenter. Non, raté. Si je vais là, je suis un petit peu plus safe. On va prendre le bonus de garde. Alors toi par contre avec tes rebonds, t'es pas hyper utile du coup, puisque là il y a pas grand chose. Il y a encore un kamikaze ici. Ah, il est pas mort, mais au moins il se déplace plus. On va aller là. Voilà, parfait. Lui, un petit coup de marteau et on va tanker. Pas de problème. Bim, bim. Là, nos balises font bien le boulot. Hein. J'ai presque envie d'aller là-bas avec avec Bike Syndicalist, vu que visiblement c'est plutôt sur ce côté-là que ça sort en masse pour l'instant. Ouais, c'est tellement la violence. Du coup, on va essayer d'aller finir lui. Voilà, parfait. Peut-être mettre un petit coup là. Ok, c'est nickel. On est un petit peu proche du bord, mais je pense que c'est safe. Ici, nos pièges, est-ce que ça vaut le coup de les recharger? Ils sont trop loin. On remet une charge avec ça. Hein. Ouais. Ok, donc ça vaudra le coup de les recharger au prochain tour. On va tanker un peu. Et ici du coup, alors là, il faut qu'on mette un petit poison, surtout que c'est un gros coureur derrière là.
qui se planque. Toi, tu pouvais rien faire de plus à part espérer. Ici, on va essayer de lui faire mal. Wow, on fait tellement rien. Il y a combien ce truc? 45 de résistance, 0 de garde. Tir de suppression sinon. Pour le ralentir un peu. Oh, on l'a manqué. C'est lequel qu'on a manqué? Ah, c'est le rampant qui est derrière qu'on a manqué. Merde. Oh l'enfoiré. Deux fois manqué. On le re-rate quoi. Ça va, il a 20% d'esquive, c'est pas non plus la teuf quoi. Bon, du coup faut qu'on se replie. Malheureusement. Alors là il y a lui. Attends, je vois pas. Il peut aller jusqu'où lui? Il peut pas nous attraper. Là on est safe du coup. Ok, on va essayer d'endommager un petit peu les cocos. Et re Looky Look. Et oui, on est reparti sur The Last Spell, on fait la nuit 8 du coup. Avec nos premiers kamikazes, donc ça va être compliqué. J'ai peur pour Claire là depuis le début de la bataille. Oh la vache! Oh, elle a tellement mangé! Aïe! Bon, 14 PV pour Claire. Va falloir se replier. Ouais, ça va être chaud. En plus, elle a rien pour se soigner, hein. Non. Niveau attaque à distance, on peut essayer de tuer lui. Attends, on a rien qui attaque assez loin, il va revenir nous faire chier. Ça fait des dégâts. Oh sérieusement, il est pas mort quoi. Bon bah je crois que rip Claire. Ah non, si je me mets là je suis hors de portée. Ouais, Claire là, c'était censé être une toute petite zone d'assaut ici. Elle s'est tapé les kamikazes là qui piquent les fesses. Ça fait clairement pas plaisir. Ici on va profiter que lui, voilà, il est pourri par le poison pour se le faire. Alors, ici on peut caler une petite piqûre aussi. On va répandre le poison, hein. C'est l'objectif. Qui c'est qui va nous chercher? C'est lui qui va nous chercher. À la nuit 8, de toute façon, elle est notoirement violente, hein. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Les kamikazes, ils sont vraiment hyper chauds à gérer. Ok, un de moins, il fait péter ses copains. Toi, tu vas peut-être arrêter de nous esquiver, c'est bon. Ok, on a tout cramé ici. Sur ce flanc, ça va, on va tenir. Ici, ça se passait plutôt bien, par contre. Nickel, on termine ça. Est-ce que du coup on finit lui? Oui, je pense. On va aller se placer par là. Alors ici, on peut balancer une petite piqûre dans le tas, là, ça me paraît pas mal. Et probablement une autre là, mais il faut qu'on s'éloigne avant. Voilà.
Alors attaque frontale, ça fait quoi déjà? Toutes les 4 caisses parcourues, plus 15% de dégâts physiques, ok. Parfait, la contagion, ça fait le taf, on va tanker là. On peut peut-être mettre une petite rafale de coups sur ceux qui meurent pas. Hop, hop, et voilà, ok, très bien. Toi. Dépiote ça, dépiote ça. Encore un coup, encore un coup, parfait, faire reculer un peu. Bon. Claire. Oh la vache, la saloperie qui s'infiltre. Non, ça va, l'armure tient face à lui. Là-bas, il y a encore un kamikaze. Ouais, avec son malus, elle a perdu tellement de mouvement aussi. La seule attaque à distance qu'elle a, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que je m'approche là. Bon, après, la balise devrait s'occuper de ça sans trop de problèmes. Est-ce qu'on peut aider là? C'est pas fondamental. Hein. Est-ce que je fonce dans le tas là-bas? C'est chaud. Hein. Non, on va taper sur celui-là pendant qu'on est à côté. Voilà. Lui, il peut venir ici et il peut péter tout autour. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on se mette beaucoup plus loin. Qu'on recule. Non, il faudra se mettre par là. Alors, on a un bonus si on se colle à un truc. Donc, on va se coller à ça, faute de mieux. Allez, Claire. Faut tenir. Tout n'est pas encore perdu. Ok, ici. Alors, est-ce qu'on a réparé ce piège? On dirait que oui. Ça redonne un petit coup. Alors là, une piqûre tout là-bas, elle sera parfaite. Nickel. Et sur ces trois-là, allez. Ouh, la violence. Il fait tellement mal, bat syndicaliste. Ça fait plaisir. Allez, fait mal. Voilà, parfait. Alors à nous. Flèche dans les fesses, flèche dans les fesses, flèche dans les fesses. Là c'est mort. Est-ce qu'on peut viser avec mon petit pistolet ici? Et du coup, on pourrait finir lui, mais ça sert à rien. On va se déplacer par là. Là, c'est ces deux gros tas là qui vont être pas problématiques, mais. Les plus gênants. Alors, on a de nouveau un kamikaze ici. On fait mal, mais on n'arrive toujours pas à le finir. Mais on peut le finir avec ça par contre. Buter son copain, nickel. Ok, c'est mort. Je crois que les kamikazes c'était tout. On était censé en avoir 6, il me semble. Donc ça va commencer à être tout. Ici, on va tanker. Alors là. Il commence à y avoir des trucs intéressants pour lancer de la piqûre là-bas. Ah, il y en a un là encore. Merde, ça c'est chiant. Ici, est-ce qu'on peut lui mettre... Oh, ça fait tellement rien. On lui fait mais monstrueusement rien quoi. Bon, faut qu'on inverse. Toi viens là. Lui tu le vois pas forcément, tire là-dessus, voilà, et toi, il faut que tu arrives à balancer, voilà, parfait, un petit poison là-dedans, là, nickel. Alors il y a lui qui est un peu chiant, honnêtement, là il y a un coureur également. On pourrait taper sur ça. Pas inutile, voilà, pour les ralentir un petit peu. Lui, je pense qu'il va se faire gérer par les balistes.
On va essayer quand même de mettre un petit peu de dégâts là pour la forme. Pas gagné quand même, hein. On va pouvoir se replier là. Compliqué sur ce flanc, c'était les piou piou, mais je pensais qu'il s'en sortirait un petit peu mieux que ça quand même. Alors il y en a encore un là, un kamikaze. Fuck. Allez, tue-le. Oui, parfait. C'est bon ça. En plus, il a fait péter à la tronche de son pote. Par contre, là, il nous a fait mal lui. Ok. On va faire mal, mais la priorité c'est d'aller là-bas. Ah, il est trop loin. Le petit salaud. Celui-là, ce sera fait. J'aimerais bien tuer lui, mais j'ai plus de mouvement. Vraiment un peu de mana, c'est pas très grave. Il y a lui qui va éventuellement nous embêter un peu. Là, ils sont pas trop en tas. On va aller le chercher avec le mec qui tape. Voilà. Parfait. Du coup, il n'y a qu'une seule baliste ici, par contre on a pas mal de catapultes. Au limite, j'ai envie de courir tout là-bas avec lui. Parce que j'ai l'impression que sur ce flanc on va pouvoir gérer là. Les petites merdes qui sortent ici. On a les catapultes, on a quand même Riggs qui a toujours sa popo si besoin. Qui est capable d'ailleurs de recharger ça. Ah, dommage, il y a un chouïa pas assez loin. C'est plutôt ici que c'est gênant. Ouais, ici c'est carrément problématique, il y a carrément trop de monde. Allez go. Empoisonne-moi tout ça. Et si tu les vois pas, parce qu'il y a un putain d'arme devant. Il veut pas crever, hein. Là, on va essayer de les ralentir, notamment lui, pour qu'il crève un peu du poison. Tuez-lui qui nous embête. Tuez-lui qui nous embête. Est-ce qu'il nous reste du tir là? Il nous reste du tir, ils sont quand même encore un petit peu loin. On pourrait faire un beau carnage là-dedans. Voilà, ça va les ralentir un peu. Lui il court trop vite à mon goût. Si j'avance là, je peux mettre du poison, ouais. Ouf. Ah oui, efficace. Ça c'est très bon ça. Avec le dernier point, qui c'est qui court vite? Il y a lui qui peut aller jusque là. Qui c'est qui va jusqu'ici là? Il y en a un qui court jusqu'ici là. C'est pas toi, c'est pas toi. C'est toi. Ah, c'est lui là. Lui, il est. Voilà, malade, donc on peut se faire plaisir. Là on recule un peu en sécurité, lui il est bloqué, son poison c'est pendant 2 tours encore, 90, ah oh, il va lui rester 1 PV, vous êtes sérieux? Tant pis. De ton côté Claire ma chère, comment dire que tu manges un peu ta maman? Allez. Voilà, heureusement t'as encore du répondant quand même. Collé à ça, elle a une bonne résistance. Est-ce que ça sera suffisant? Je suis pas convaincu, mais on va voir. C'est les derniers, ils sont tous sortis. Ok, parfait. Attention, ici ça va piquer. Oh merde, lui nous attend. Tiens.
m'attendais pas ça. Ah non, elle a décédé, ton clerc qui perd la vie. Gros coup du sort. Bon, elle était pas renommée, mais bon, elle a fait de son mieux. Ici, ils ont atteint les murs. Très bien. C'est problématique. Du coup, comment on fait? Ici, on est plus que deux, et globalement, c'est un petit peu le bordel quand même. Il faudrait qu'on balance une piqûre. Voilà, parfait, on a un angle, nickel, pas besoin de dépenser de mouvement. Ça va commencer à les endommager. Et derrière, il faut qu'on en balance une là-dedans. Parfait. On bute lui. On bute lui. On commence à faire un peu mal à lui. Non, on n'a pas ce qu'il faut. La portée de ce truc, il nous reste 4 de mouvement. Si j'avance d'un, il faudra que j'avance de 2 et que je recule de 2. Ah, c'est chaud. On va quand même le faire. Fait quand même un gros poison. C'est lui qui m'atteint, lui aussi. Merde. Si je vais là, lui aussi, mais je pense que là du coup, il y en a un qui va devoir m'atteindre et pas l'autre, donc c'est mieux. Toi, je pense qu'il est grand temps que tu montes dans ta tour à l'abri. Envoie-nous une petite foudre, parce que t'es quand même plutôt efficace. Ils sont costauds, hein. Ils sont costauds et sur ce flanc, on manque de défense, très clairement. Est-ce que tu peux descendre? Et toi, est-ce que tu peux monter? Non, tu pourras pas monter. Non, il faut du mouvement pour ça. Dommage. Du coup, on va peut-être plutôt te mettre là. T'auras peut-être un angle. Tu peux tuer ça. Vas-y. Sinon, il restera un PV. Donc. Au moins ça élimine le mec à côté. Et ici, ouais, c'est problématique. Ce serait peut-être plus rentable que je cours par là. Alors déjà. Ok, coup puissant. On l'a pas tué. Allez, crève, merci. Ok, ici c'est géré. Des petites saloperies qui sont là, c'est pas gênant. Ce qui est vraiment chiant, c'est ça, notamment l'autre explosif là. Je pense qu'on va se diriger par ici pour pouvoir sauter après et gérer un peu par là. Sauter là, avoir une vision. Donc je pense que je vais plutôt aller là parce que je vais prendre la tour à mon avis avec Bête Syndicaliste après. C'est chaud, hein. Oh putain, il est pas mort lui. Aïe 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 aïe. On prend tellement cher. Ok, faut qu'on aille se débarrasser de cet enfoiré. Voilà. Et on est trop loin. Ah si, je peux mettre ça, parfait. Ok, les deux petits là, mais nous on va tanker. On peut peut-être même faire ça, parfait. On va péter une souche ici, mais c'est pas très grave. Là on court. On met un petit tir parce que pourquoi pas. Et on est beaucoup trop loin de toute façon de tout pour charler les pièges. Après tout, il y a certainement un succès ou un haut fait pour ça. Alors ici, putain, ils veulent pas se mettre en tas, on peut pas lancer nos trucs. Alors tu vises quoi toi? Lui tu le vois, parfait. Globalement, tout le monde a pris cher hein, sur cette bataille. Ce qui n'est jamais plaisant. Ah là, elle me bloque la ligne de vue là.
saloperie. La saloperie de rocher. Ok, la contagion fait le taf. Par contre là, on va manger chaud. Lui il peut aller jusqu'où? Putain, il peut aller jusque là. Merde. Alors attendez, avant, ici je le vois, hein. On va essayer de lui diminuer un peu sa vie pour qu'il aille moins loin. Non, c'est raté. Écoute toi, tu prends la tour. Tu peux essayer de m'allumer ça. STP merci. Non, il veut pas. Hein. Oh, mais c'est pas possible. T'as cramé tous tes points là. Je te foutrais pas un peu de ma gueule. Allez, on va utiliser notre parchemin là. Ok, pas mal. Xebus, de là où t'es. Non, tu peux rien faire. Ah, c'est les mouvements qu'on a pris, hein, les problèmes de mouvement qu'on a pris qui font. Qui nous mettent dans la merde. Hein. Ah, le kamikaze il est au mur. Attention. Ah la vache. Il a fait monter la panique cet enfoiré. Alors là ils sont bien en tas, mais est-ce que c'est vraiment utile de dépenser du mana? Je ne pense pas. Voilà la contagion, parfait. Tellement de points de move d'action. Lui il est trop loin, on va dépenser 2 pour le finir. Ensuite il reste quoi? Lui. Hop. Ok, il est mort. L'autre il se cache quoi. Sérieux. Nickel. Bon. On n'est pas bien. Enfin, on n'est pas bien. On a mangé cher, on va dire. C'était rude, mais on a réussi. Ouais. On a quand même l'objet. On n'a pas réussi à voir le dernier niveau à cause du kamikaze de fin là. Ok, on a quand même ici un tas avec un objet, on va le piller. Et là ça arrive de tous les côtés. Parfait. Et nos défenses sont un peu trouées, on va dire. Il va falloir un remplaçant, ouais, complètement, ouais. Je suis d'accord, Lucky Luck. On travaillait sur les gains de niveau rare, bah parfait, tiens, on va le prendre. Plus de chances d'avoir des objets rares, d'autres présages. Ouais, les présages, c'est cool, mais... On a déjà pas mal des présages, hein. On va travailler les objets. Et toi tu nous proposes quoi? Le tome des secrets du novice n'apparaîtra plus dans votre partie. Ah cool. Tome de secrets du maître et de l'archimètre. 1000 points d'action dans les tomes des secrets. Et bah écoutez. Wonderful. Et si on achète 20 casques, on commencera avec un casque. Et bah voyons ce qu'on a. Alors, un tome des secrets du compagnon plus un rebond. Ouh, c'est bon ça. Là, des greffes qui donnent de la vie, du critique et des dégâts de poison. Pas mal. Et un arc court, ok. Ensuite, on a un petit casque, une petite armure. On va relancer ça, c'est pas ouf. Ok, c'est pas beaucoup mieux. On a un bouclier. Ouais, bon. Ok, on va voir ce qu'on a après. Et dans le tas de cadavres, une grosse hache. Une armure lourde, ah le moins un de mouvement, il est toujours chiant. Un pistolet qui donne des chances d'étourdissement. Ouais. C'est pas dingue. C'est pas dingue, c'est pas dingue, il va falloir qu'on voit ce qu'on fait. Alors Riggs, du dégât flat, ouais on va prendre. Du dégât de poison, pas pour toi, du dégât magique non, on va relancer. Dégâts à distance, bah ouais go. Et au niveau des talents,
Le chasseur de gros gibier, c'est quand même pas mal, hein. Après, c'est vrai qu'avec le tir de proximité et les armes raccourcies, il tire pas hyper loin. Une esquive, non, le poison, t'as pas du tout fait ça. Maître de forteresse. Ouais, bof. Je pense que le chasseur de gros gibier, ça reste quand même un très très bon trait. Je suis en manque de thunes pour un J8. Bah, ça dépend. J'ai rien construit pour faire de l'or, donc techniquement, ça me surprend pas, on va dire. Est-ce qu'on prend plus de puissance critique avec lui? En vrai, il a que 22%, hein. C'est pas non plus oufissime. Il est plutôt fort en dégâts, mais... Le critique, ça reste accessoire. Hein. Le multi-coup, non, le loup solitaire pourrait être pas mal. Je pense qu'on va pas prendre ça. On a plus... Ouais, là, on a 15%, mais... la puissance critique... Mais c'est vrai que je confirme à Lucky Luke que je prends en général pas trop les bâtiments qui font de l'or, donc je vis avec assez peu d'or dans mes parties pour l'instant. Et oui, avant de choisir les objets, je vais voir ce que je peux recruter, mais je voulais voir avant un peu les aperçus de ce que j'avais. Un petit peu plus de mouvement. Ouais, on va prendre ça. Plus de chances d'esquiver et plus de mouvement, c'est ce qui nous manque clairement. Et le dernier qui a un niveau, c'est Xebus, un petit niveau pour Xebus. La régène de vie, c'est pas très utile. Du coup, du dégât, ce serait mieux du critique. Allez, du critique. 74 de critique, là, ça commence à jouer là. Du dégât de poison, bof, de la fiabilité. On va prendre la fiabilité pour lui. Le loup solitaire. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Le loup solitaire. On prendra ça. Et peut-être ça aussi. Parce que c'est vrai que réussir un critique avec... avec genre l'assassinat là, ça peut faire bien plaisir quand même. Alors en vrai ils ont un petit peu augmenté l'intérêt des puits et des mines. Mais c'est vrai que moi je joue beaucoup avec les mines pour le coup, enfin les camps de pilleurs. Mais les mines d'or beaucoup moins. Après c'est peut-être un tort, hein. Avant d'utiliser ça on va réfléchir un peu à ce qu'on fait. Donc déjà il faut qu'on recrute. Là tu vois typiquement, normalement je perds pas de héros, mais en ayant perdu des héros, il faudra que j'en recrute deux et ça risque d'être compliqué. Alors on a quoi? Un troubadour, de la fiabilité, de la puissance critique, de la chance d'étourdissement, moins 6% de critique. Ah c'est dommage, ça matche pas ça. Et du soin reçu. Ouais. C'est pas ouf. Ici on a quoi? Un mercenaire, très bien. Moins 1 de portée de compétence et plus de vie et d'armure. Alors est-ce que j'ai envie de reprendre un tank? Que c'est compliqué quand même sur cette map, beaucoup de tanks. Enfin beaucoup de corps à corps plutôt. Un tireur, ça pourrait être pas mal. Du dégât magique, de la fiabilité, de la puissance critique et de l'esquive, lui il est pas mal. On va le prendre. Hop. Et du coup, ce sera Lucky Luke, puisque t'es là. Lucky Luke. Hop là. Il me dit si sa tête, si ta tête lui va. Sinon on reprendra un autre. Alors, on peut du coup recruter. Regardez les deux autres faiblos qu'on a. Un clown. Le clown est pas mal. Hein, en général. Il y a fiabilité, de la précision.
Et deux emplacements de sac. Bien. Bien, pas mal. Franchement, lui, il est pas mal. Et là, on a un petit niveau 4, mage de sang. 12% de dégâts magiques, c'est propre ça. Moins un emplacement de sac, mais plus de mouvement et plus de dégâts. Ah, il est bien, ils sont bons, hein, les deux sont pas mal. Le 12% de dégâts magiques flat là. Les emplacements de sac, justement parce que j'ai peu d'or, on n'en achètera pas, on n'en utilisera pas autant. On va prendre le niveau 4, tant pis. Ah, on a plus. Ah, on a plus de place! On est au max déjà? Ah mais oui, on est au max, pardon, je pensais qu'on pouvait en prendre un de plus. Autant pour moi, on est au max, bah du coup parfait, ce sera Lucky Luke du coup qui nous rejoint. Alors par contre, il te faudrait plutôt du magique toi, et t'es venu avec le charme de tortue. La puissance critique, la précision, de la régène de mana, ok, et le parchemin d'épée fulminante qui est peut-être pas très pertinent pour toi, t'as une arbalète. T'as pas les talents de poison. T'as la moisson par contre qui est bien mais qui arrive un peu tard. Du coup ça veut dire qu'on va plutôt partir sur des objets genre le tome. Et faire de toi un mage. Au niveau des armures, alors on a le bouclier qui pourrait être éventuellement utile pour Canton. Encore que moins un de mouvement, non, ça me plaît pas. Moins un de mouvement, c'est pas possible. Et là, on a une armure moyenne qui enlève du mouvement ou un pantalon de fourrure. Bon, on va prendre le pantalon de fourrure, tant pis. Pas ouf, mais c'est pas grave. Et là, une armure lourde. Ah, c'est vrai qu'on a quand même une armure qui nous enlève du mouvement déjà. Donc, tant qu'à faire, on pourrait se blinder un peu plus. Sachant que le pistolet et la hache de guerre, c'est pas dingue. On va prendre l'armure lourde. Donc, alors toi tu vas nous prendre le tome, mon cher. La potion de durcissement, c'est pas pour toi. Le pantalon en fourrure, ça pourrait. Bah ça non, il est plutôt pas mal déjà ton bibelot, même si c'est pas forcément toi qui fais des critiques. Toi t'as quoi? Un point d'action, 25 de puissance critique, tu gardes Riggs. De l'esquive et de la résistance. Ouais, mais tu fais quand même moins de critiques. Donc c'est pas très utile non plus. Tu vas garder ton équipement. Canton, bah tu vas prendre la potion de durcissement et on a dit l'armure lourde plus 5. Voilà. Donc t'es à 8 de mouvement, mais au moins tu tankes un peu plus encore. Et est-ce que je te file la hache d'acier? À la place du marteau, à la place du marteau. Tu fais quasiment autant de dégâts, non, tu fais même plus de dégâts, un peu moins de dégâts mine, mais plus de dégâts max, et tu tapes 3 cibles. Pour le même nombre de points d'action, donc ouais, on va te donner ça. Ah, on a aussi un marteau pas rouillé ici, mais moi ouais, non, même ça, c'est. Ça reste plus intéressant, je pense, ça. Ici. Toi tu gardes ça, toi je vais t'enlever le ça parce que ça te sert à rien. Tu vas prendre plutôt ça. Bat syndicaliste, tu vas prendre ce truc là. Exebus, tu vas prendre encore un petit parchemin d'assassinat supplémentaire. Toi ça serait peut-être bien que tu sois un peu plus tanky. Armure moyenne, tant qu'à perdre un peu de mouvement, on va te filer ça. Parce que mine de rien, t'es quand même assez proche de la mêlée. On l'a vu. De toute façon, on a tous. Tout le monde a pris cher sur ce combat-là. Hein. Deux de garde, 5 de régène, de l'armure, de la précision. Tu vas plutôt prendre ça, toi. Et après, t'as une armure légère, je pense qu'on va te la laisser. Est-ce que quelqu'un n'a pas de bibelot? Ouais, Riggs il a pas de bibelot. Bah écoute, prends ça, tant qu'à faire. Tant qu'à rien avoir, autant avoir un truc. Bon, tout ça, ça va être à vendre. Qu'est-ce qu'on a ici? L'armure énergisante. Pas mal.
Pas mal, pas mal. On a une dague ici. Un bel arc. Est-ce qu'on a un autre objet magique intéressant? Le tome des secrets de l'adepte. 143 balles quand même. Hein. Dans les trucs qu'on a là, on a un parchemin de boule de feu, une potion de soin, la potion de stabilité, potion de force, potion d'énergie, deux points d'action. On va avoir 9 kamikazes, 2 saloperies, 9 comme ça. C'est kamikazes qui vont nous faire chier encore probablement. Donc on va tabler sur le distance. Wookie look, on va le tankouiller. Ou alors peut-être pas. On va peut-être plutôt tankouiller Ulysse. Ouais. Ulysse, il a quand même fait ses preuves. On va te laisser le tome de secret. On va prendre le tome du compagnon. On va le filer. Ah mais attendez, il y a Xebus aussi qui a un tome là. Plutôt prendre ça, Xebus. Du coup, toi tu prends ça. Et Ulysse il prend celui-là, voilà. Ulysse qui est plutôt poison, mais au moins il a un tome qui donne un rebond de plus pour son poison, et ça c'est fort. Et le bâton, bah le bâton pour l'instant on va le mettre de côté. Tout le monde est équipé là, il nous manque un petit peu d'objets main droite et des objets de... de sac globalement. Alors faisons les niveaux de Lucky Luke. Qu'est-ce qu'on va te monter comme build? Alors déjà qu'est-ce que t'as là? Fatalité non, la moisson pourquoi pas, mais c'est peut-être pas forcément pertinent. T'as de quoi faire du critique, t'as le canon de verre, les runes critiques, t'as quoi comme trait déjà? De la puissance critique. Ouais, on pourrait faire un build critique avec ce truc là. Un petit bonus de précision, pourquoi pas. Les chances d'étourdissement, ça te servira peu. T'as peu de compétences que j'ai envie de prendre à ce niveau-là du jeu, proche du début. Donc je pense qu'on va te prendre la persévérance. Ah mais ça débloque direct, je me souvenais plus. Du coup on va te prendre ça. Le canon de verre. Même si ça t'affaiblit pas mal. Quantité contre qualité, ouais, carrément. Et les runes critiques, comme ça plus tu crameras de mana, plus tu feras mal. Du coup toi tu prendras ça. Pour chaque altération différente qu'il affecte, pourquoi pas, la téléportation peut-être pas. Spécialiste, ouais. Ça c'est de la propagation seulement, hein. Y a pas de multicoup, hein. Ouais, y a pas de multicoup. On te prendra peut-être quand même ça parce que ça reste un must-have, ça m'étonnerait que tu montes très haut de niveau. Et c'est quand même un must-have si on se fait la dryade là. Elle est considérée comme isolée. Un petit boost de mouvement pour commencer. La résistance ça me plaît pas trop, là on a quoi? De la portée de compétence, oui. Dégâts de propagation, oui. Rien de fou. On va relancer ça. Relancer. Ah, c'est nul. Bon, du dégât. Du critique, enfin. J'aimerais du critique. J'aimerais du critique. J'aimerais du critique. Bon, bah, des dégâts. Ok. Allons-y pour des dégâts. Du critique ? Il veut pas sortir le critique, hein, la précision. Ça, on va relancer. On va prendre la fiabilité. Des dégâts magiques, des changes d'étourdissement, c'est pas ouf. On va prendre les dégâts magiques. Une petite régène de mana, ouais, allez. Histoire d'arriver à la dernière nuit en étant plein. Alors, on a des gens qui ont plus de vie, hein. Est-ce qu'il y en a qui sont blessés? Ulysse il est presque blessé. On va peut-être devoir se faire un temple pour 70. Ou un fabricant d'armure, un nouveau fabricant d'armure, ouais. Non, on va
on va partir sur un temple. C'est pas ouf arriver à au jour 8, mais il faut qu'on soigne. Pour remonter un petit peu au moins au niveau de, au-dessus du niveau de blessé. En termes de mana, on va booster un peu Xebus. Parce que même s'il a des bonus de critique quand il a pas beaucoup de mana, faut quand même qu'il ait assez de mana pour ses compétences. Ce serait utile. Alors, on peut assigner des gens à des bâtiments. En termes de couverture, ici on n'est pas trop mal. Sur ce flanc là aussi, là on s'est fait dépouiller. Là on est totalement à poil, on a une grosse attaque. Donc déjà, on va prendre la voyante, repousser la brume. Et on va révéler la direction des ennemis. Ok, donc gros rush là, petit ici. Ici ça va arriver plutôt par là, et ici plutôt par là. Ok, donc a priori tout ce flanc là devrait être tranquille ou géré par les balistes. Et ici il faut qu'on fasse quelque chose. Convaincu de ce mur, mais bon, c'est pour protéger un peu. Combien on peut faire de balistes encore? Une quinzaine, c'est pas mal. Il en faudrait ici. Toi, tu veux pas te pousser? Voilà. Là, les murs, ils sont un peu faiblards. Alors, sachant qu'on a vu hein, les kamikazes, quand ils explosent, ils défoncent tout. Une petite tour, ça pourrait être bien là aussi. Pour pouvoir gérer cette zone d'armes à la con. Et peut-être une là. Ils vont arriver en masse par là. Une là. Et on va foutre quelques pièges dans leurs pattes. Voilà. Ah, et on a pris des dégâts ici, tiens. Ah non, pardon, c'est qu'il nous reste deux nuits, excusez-moi. Je dis n'importe quoi. Alors là, c'est dommage, la tour va être loin, je pense, de... Mais on a quand même une bonne défense, là, ici. Pour des petites vagues, ça devrait le faire. Ce qui est très chiant, c'est les kamikazes, ils sont très durs à tuer, les balistes, elles s'en sortent pas toutes seules. Et ben on est parti. Alors, comment on va gérer ça? On va mettre Bad Syndicaliste là où il va y avoir potentiellement du gros tas. Donc ici. Qu'il fasse le maximum de dégâts avec ses sorts. Ensuite Ulysse, le deuxième qui fait des attaques de zone. Il va se placer, je pense, là. Pour pouvoir couvrir ces deux petites flèches. Ici, on va mettre notre ami Xebus sur ce flanc là, qui est quand même plutôt bien protégé. Il va nous falloir Canton le tank. Tu vas tenir ici. Looky Look le nouveau. Est-ce que je te mettrai pas dans cette tour? Peut-être. T'as une bonne portée quand même. Et donc du coup on laisserait... On laisserait Riggs ici pour gérer cette vague là. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ok, ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode de VOD sur ce début de nuit. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur le live. Restez parce qu'on fait la suite bien sûr tout de suite. Merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite. Thank you.